suffisante. Bon, je vous remercie de m'avoir invité. Donc, je remercie M. Pellegrin aussi d'avoir invité pour cette conférence. Alors, c'est une conférence que j'avais déjà faite. Enfin, j'avais fait une version alpha l'année dernière à l'UT de Bourges. Et en fait, c'est à l'initiative de M. Pellegrin que finalement, il m'a dit que ce serait bien de la faire de manière publique. Donc, de faire cette conférence publique au muséum. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant pour un universitaire. Alors, comme je me présente, je suis M. Gaillet. Donc, je suis maître de conférence en économie. Depuis pas mal d'années, je travaille en fait de manière un peu interdisciplinaire avec les laboratoires de géosciences de l'Université d'Orléans, avec aussi le BRGM et l'INRA. Alors, c'est des coopérations qui sont engagées. Je ne suis pas le seul, évidemment. On était à plusieurs aussi au sein du laboratoire d'économie d'Orléans à travailler dans ce domaine-là. Alors, la raison, bon, c'est que vous savez bien qu'à Orléans, il y a le BRGM, donc, qui est le site principal du BRGM qui se trouve là-bas. On a aussi donc, des laboratoires de géosciences qui sont réunis au sein de l'OSUC, hein, Observatoire des sciences de l'univers en région centre, qui est aussi une composante de l'université. Des laboratoires dans ce domaine-là, et puis l'INRA aussi, l'INRA qui est un centre à Ardon. Et en fait, la généalogie de toute cette histoire, c'est que, on a obtenu des projets nationaux, des projets régionaux, et puis surtout, depuis 2012, l'Université d'Orléans a décroché un LABEX, c'est-à-dire c'était dans le cadre des investissements d'avenir, donc qui a été lancé par Nicolas Sarkozy, mais pour lequel il y a eu une continuité. Entre les différents gouvernements, que ce soit donc Hollande ou bien Macron, il y a eu une continuité dans la poursuite de ces programmes, ce qu'on appelle les investissements d'avenir. Et alors, tous ces programmes se terminent par un ex. Il y a des labex, il y a des. Donc, il y a des différents projets qui ont été créés. Et en fait, des IDEX, vous n'avez pas tous ces termes, mais en fait, globalement, c'était un financement. L'Université d'Orléans a obtenu un financement pérenne pour travailler sur tout ce qui était. Alors, Voltaire, c'était échange terre-atmosphère. Donc, c'est qui est évidemment très large. Et l'ABEX Voltaire, à l'origine, était conçu avec 7 working packages, c'est-à-dire 7 équipes de recherche. Et ces 7 working packages allaient du sous-sol profond à la haute atmosphère. C'est-à-dire qu'il y avait les spécialistes des plasmas, des magmas profonds. Des gens qui travaillaient sur le sous-sol plus proche, genre nappe phréatique. Des gens qui travaillaient sur le sol proche, c'est-à-dire l'INRA et les agronomes. Et puis il y avait l'atmosphère moyenne et la haute atmosphère. Et au milieu de tout ça, il y avait donc 3 sous-sols, 2 au-dessus du sol. Et au milieu, il y avait le working package des économistes où on était donc au milieu. Donc on avait une équipe, un working package, c'est-à-dire en fait un financement, qui était dévolu aux aspects socio-économiques des géosciences. Et donc, depuis cette période-là, eh bien, on a beaucoup travaillé, donc, on a travaillé sur différents aspects des géosciences. Donc, on a eu on a financé donc, des recherches, ce qu'on appelle des post-docs, c'est-à-dire des doctorants qui travaillent qui poursuivent leur thèse sur un domaine de recherche. On a eu aussi des thèses financées. Et donc, ça a porté sur des choses aussi variées que une exploration du potentiel du lithium, de l'exploitation du lithium en Europe, évaluation technico-économique. On a eu un postdoc qui a travaillé sur l'évaluation à très long terme des demandes de minéraux avec des modèles de l'économie mondiale, des modèles mondiaux qui sont des modèles extrêmement complexes. On a eu une recherche remarquable sur les mines artisanales, le développement des mines artisanales dans les pays en voie de développement. On a eu beaucoup de travaux aussi sur l'impact l'impact des réglementations environnementales sur le commerce international des produits polluants et dangereux. Et là aussi, on a eu des choses vraiment très intéressantes. Bon, tout ça pour vous dire que depuis ce temps-là, donc, on a ces coopérations avec les laboratoires de géosciences. Et d'autre part, moi, j'ai aussi travaillé avec le BRGM sur le problème des technologies de captage et de stockage du CO2 dans le sous-sol. Donc là aussi, c'est d'ailleurs par là que tout a commencé, que tout se poursuit à l'heure actuelle, parce que
Eh bien, le BRGM est impliqué dans pas mal de projets qui visent donc sur une technologie assez controversée, évidemment, qui est de dire que, eh bien, on peut lutter contre réduire les émissions de CO2 en les capturant à l'émission et en les stockant dans le sous-sol. Donc, alors si j'ai le temps, je vous en parlerai un peu à la fin de mon exposé, parce que c'est pas le, je compte plutôt vous parler des ressources minérales. Alors, la question, alors le principe de cette présentation, c'est que je vais parler en fait des infortunes de la transition énergétique. En fait, je dirais que c'est un lieu de paradoxe. Hein, c'est un lieu de paradoxe. Alors, un paradoxe en fait dans la recherche scientifique, très souvent, c'est qu'il y a toujours eu des paradoxes. Et on trouve un paradoxe lorsque en fait on est confronté à un ensemble de savoirs qui bloque sur dont la cohérence est éprouvée par un fait qui n'est pas conforme. Et donc vous savez tous que c'est tous les paradoxes en fait sont amenés à être résolus par des recherches ultérieures, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a un blocage dans une compréhension d'un phénomène, et en fait on peut débloquer. Alors ici évidemment c'est un peu présomptueux de parler de paradoxe, mais c'est pour vous présenter en fait un certain nombre de problèmes que pose la transition énergétique, et c'est des problèmes que pose l'économiste. Je parle comme économiste. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre relation qu'on a eue avec des scientifiques, et bien, quelquefois le dialogue est quelquefois un peu rugueux, quelquefois un peu difficile, parce qu'il y a des scientifiques qui nous disent, mais on a les solutions, ça va marcher. Et puis on leur dit, attention, fais gaffe, il y a des loups. Il peut y avoir des loups, il peut y avoir des problèmes. Et en fait, eh bien. Donc c'est de ce point de vue-là que l'économiste a des choses à dire. Alors, simplement, là, pour l'instant, je reste parfaitement très, très général. Le principe, c'est que la transition énergétique, c'est que toute notre civilisation, tout notre mode de vie dépend d'une source d'énergie, de sources d'énergie. Et les sources d'énergie fossiles, c'est des sources d'énergie qui sont miraculeuses, hein, qui sont miraculeuses parce que c'est une source d'énergie qui est concentrée. Hein, qui est transportable aisément et qui a un pouvoir, donc évidemment, par rapport à leur intensité énergétique considérable. Hein, quand on est gamin, qu'on essaie de prendre l'essence de la tondeuse et jouer avec, on voit très bien que c'est un pouvoir extrêmement. Que l'essence a un pouvoir énergétique tout à fait considérable. Et le problème, c'est qu'en fait, eh bien, cette énergie qu'on a eue à disposition pendant des siècles, eh bien, cette énergie. Cette énergie, eh bien, si on veut les abandonner, si on veut passer à un autre modèle, eh bien, on va devoir passer en fait à des énergies donc renouvelables. Et ces énergies renouvelables, eh bien, elles sont aussi infinies. Hein, c'est-à-dire qu'on va dire le rayonnement solaire et la puissance éolienne, elle est à peu près infinie, ce que vont dire tous les physiciens, sauf qu'elle est dispersée, sauf qu'elle est, elle est, elle est Elle est diffuse et elle est intermittente. Et le problème, donc, c'est que passer de cette énergie concentrée, transportable, facile d'accès, à un coût très faible, à une énergie donc renouvelable, eh bien, ça nécessite de déployer des infrastructures énormes. Et donc, déployer des infrastructures énormes, que ce soit pour faire du solaire, pour faire de l'éolien, notamment, et toutes les énergies renouvelables sont confrontées à ce problème-là. Hein, l'idée, c'est que finalement, la nature a mis des millions d'années à constituer, à créer du charbon et du pétrole en les séquestrant dans le sous-sol. C'est donc un bienfait dont on a bénéficié, mais que maintenant, en fait, si on veut passer à récupérer l'énergie directement à partir de l'atmosphère, ben c'est quelque chose de très différent. Donc tout ça, c'est paradoxe, elles proviennent de là. Alors, ici, et le problème qui se pose pour nous économistes et pour comme citoyens aussi, c'est qu'en fait, eh bien, si on veut passer d'un à l'autre, il faudrait aussi quand même qu'on puisse. On ne voudrait pas quand même modifier trop nos modes de vie. Hein. C'est sûr qu'on a pris l'habitude de nous déplacer, d'avoir un certain nombre d'objets à notre disposition, on ne voudrait pas les abandonner. Et en plus, on voudrait aussi que les pays les plus pauvres puissent y accéder. Et ça, c'est aussi une autre contrainte très forte. C'est qu'évidemment, eh bien, notre mode de vie pour les 300 millions d'Européens, on va dire le milliard des gens les plus riches sur la planète, et ben on en a quand même un certain nombre, au moins 3 ou 4 milliards au moins, qui sont déjà dans les pays émergents, qui vont y accéder. Et donc, ça, c'est aussi un autre défi. Alors, juste, je vous présente les quatre paradoxes, et puis après,
vous expliquerai que, enfin, je me focaliserai sur un des paradoxes. Alors, j'en donne quatre. Hein. Alors, le premier, c'est la disponibilité des énergies fossiles. Ça, on va le voir. On va le voir. Je vais vous le présenter rapidement. C'est le paradoxe vert. Hein. C'est en fait, alors, j'expliquerai comment. C'est que en quoi, en fait, soutien aux énergies renouvelables, ça peut aboutir à accélérer l'extraction des énergies fossiles. Donc, comment soutenir le renouvelable aboutit à surexploiter le non renouvelable. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Alors le deuxième, c'est celui que je vais détailler le plus, c'est l'impact environnemental des énergies renouvelables. C'est en fait, eh bien, l'idée, c'est que développer le renouvelable, ça nécessite de développer des infrastructures, et ces infrastructures sont très très voraces en matière et en énergie. Et donc, on a un problème de transition redoutable, c'est qu'en fait, eh bien, si je veux développer ces infrastructures, ça va demander, exercer une pression très forte sur les ressources matérielles, sur les ressources, donc, évidemment, en minerais et en matière, même en sable, en béton. Hein, donc, je vous présenterai ça. Alors, les deux autres paradoxes que je n'aurai pas le temps de voir aujourd'hui, mais je vous les mettrai en conclusion, c'est le problème que pose le CCS. Si on développait de manière très large le CCS, eh bien, on aura un problème. Donc, c'est CSC en français, hein, capture stockage du carbone, donc en anglais carbon capture storage. En fait, le CCS, on s'aperçoit que si on veut le développer à grande échelle, eh bien, ça nécessite de l'énergie. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on devrait, si on veut capturer du CO2, on devrait capturer le CO2 issu des énergies fossiles. Il faudrait utiliser de l'énergie supplémentaire. On est obligé d'utiliser de l'énergie pour capturer et stocker. Et cette énergie, elle nécessiterait de creuser à nouveau, d'extraire plus d'énergie fossile. Donc, il faudrait creuser plus pour enfouir plus. Alors, avec un bénéfice qui est quand même positif. On n'est pas dans un truc négatif, sinon, là, ça ne marcherait pas. Mais c'est quand même assez surprenant. Assez paradoxal. Puis, dernier point sur lequel j'évoquerai en conclusion, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est qu'en fait, même si on pose l'hypothèse que, finalement, il faut, à la base, sur le raisonnement qu'on fait, on va dire une émission, une bonne émission, c'est une émission qu'on évite. Il faut éviter donc la pollution à la base. Donc, c'est dire qu'il faudrait recourir à la sobriété énergétique. Il faudrait évidemment être plus économe, avoir des logements qui nous protègent mieux, qui sont mieux isolés, etc. On va s'apercevoir que ce qu'on appelle avec l'effet rebond, on s'aperçoit quelquefois que des technologies très sobres et énergétiquement très efficaces peuvent avoir un effet pervers. C'est que ça engendre donc des demandes induites qui font qu'au final, eh bien, on est amené à avoir une hausse de la consommation énergétique. Donc, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'effet rebond qui peut venir contrarier en fait, des politiques énergétiques. Et je pourrais vous donner quelques petits exemples si on en a le temps sur ce point-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter surtout les deux premiers points hein, sur les paradoxes de ces paradoxes, et les deux derniers, je les présenterai un peu en conclusion. Alors, préambule, alors je fais un préambule comme ça, c'est qu'il faut éviter l'écueil du catastrophisme. Je vais parler d'un temps que les gens de moins de 60 ans ne connaissent pas, n'est-ce pas ? C'était les premiers rapports au Club de Rome, et il faut se rappeler que donc. Eh bien, on a une tradition bien ancrée de catastrophisme chez les économistes. Alors, elle a commencé avec Malthus, que j'ai mis en haut à gauche. Hein, et Malthus, c'est un économiste qui, donc, au début du XIXe siècle, a développé une théorie qui était de dire que la croissance à long terme n'était pas viable, pour une raison essentiellement démographique. Hein, il y avait une théorie de Malthus, totalement erronée, qui s'avérait totalement erronée par la suite, qui était de dire que, en fait, la croissance de la population devrait toujours excéder celle des subsistances, et qu'on allait fatalement à la famine et à la disette. Et donc, Malthus avait un point de vue extrêmement puritain. Hein, donc, il disait qu'il faut réguler les naissances par l'abstinence, évidemment, et puis il faut supprimer toutes les aides aux pauvres, parce que si on aide les pauvres, ils prolifèrent, et ça engendre, la famine et la disette. Donc, c'est une vieille tradition. Et en fait, eh bien, alors, Jevons, j'en parlerai aussi un peu tout à l'heure, mais il faut se rappeler qu'en 72, il y a un rapport qui sort, le rapport au Club de Rome. Ce rapport au Club de Rome, en fait, il a été commandé par le Club de Rome, qui était en fait un think tank,
un club de pensée qui était qui réunissait des hauts fonctionnaires et des chercheurs et des cadres dirigeants. Et en fait, ce rapport au Club de Rome, il avait été commandé à un économiste, Denis Lindos, qui vit toujours, je crois, au MIT, qui a fait le premier vrai modèle macroéconomique mondial. Il a fait un modèle mondial à l'époque. Il avait les bécanes qu'il avait au MIT. Donc il a fait tourner les bécanes et il est arrivé, il a fait tourner son modèle. Et le modèle, eh bien, lui prévoyait la fin du monde. Alors c'était assez facile à voir pourquoi il aboutissait à ce résultat-là. Évidemment, en 72, on est à la fin des Trente Glorieuses. On est sur des traînes de croissance à 6-7%. Alors, vous savez que la croissance, si j'ai une croissance de 5 ou 6% du PIB, les demandes de matières premières et d'énergie sont souvent décuplées. La croissance est sûre. Il y a une surrépercussion de la croissance sur les inputs, sur les matières premières. Donc, il extrapole tout ça. Et le modèle, il tourne très vite à l'explosion. Donc, il a servi de base au rapport du Club de Rome. Et à l'époque, on nous prévoyait vraiment une catastrophe. Alors moi, je vous ai mis Mad Max en bas. Vous regardez Mad Max, surtout le 2, hein, où les films Mad Max vous décrivent l'an 2000, hein, ou 2010, hein, mais même comme une situation où on serait là en train de nous entretuer pour avoir le dernier litre d'essence, on serait bien avec des pots de bêtes, et on aurait une régression totale. Et donc, en fait, alors vous connaissez la suite de l'histoire, c'est qu'en fait, en 72, on est juste avant le premier choc pétrolier, et en fait, ce qui s'est passé, assez étonnamment, c'est que, bon, bah, en 73, premier choc pétrolier, 79, deuxième choc pétrolier, première politique d'économie d'énergie. Donc, d'une part, il y a les politiques d'économie d'énergie qui sont développées, et d'autre part, il y a eu, évidemment, le ralentissement de la croissance, et ce ralentissement, eh bien, il a, évidemment, fait passer au second plan toutes ces considérations-là. On a dit, mais non, maintenant c'est terminé. J'ai cité La Gueule Ouverte, qui était une revue, un journal écologiste avant l'heure. Hein, on parlait plutôt de deep écologie, hein, l'écologie dure. Et La Gueule Ouverte avait fait un édito en disant, en raison de la crise, la fin du monde est reportée une date ultérieure. Parce que, effectivement, ce qui s'est passé. Hein, ce que je vais vous présenter sur les matières premières, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a eu des mécanismes économiques qui ont fonctionné, parce que le prix du pétrole montant, vous connaissez l'histoire, le prix montant, eh bien, on a découvert des nouvelles ressources de pétrole, donc toutes les raréfactions qui étaient prévues sur toutes les matières premières, par effet de prix, le fait d'avoir un prix qui a monté, ça a engendré une croissance de l'offre, et en même temps, on a fait baisser la demande, on a eu des économies d'énergie, et bien, finalement, maintenant, on n'a pas encore connu le pic pétrolier, on a de l'énergie à profusion, de l'énergie fossile à profusion. Donc, tous ces scénarios catastrophistes, eh bien, il faut se méfier, en fait, de ces scénarios catastrophistes, parce que ce que je vais vous présenter après, c'est assez catastrophiste, évidemment. Donc, c'est pour vous dire que, eh bien, il faut éviter, hein, cet écueil-là, parce que c'est, en même temps, c'est un peu facile de dire ça, vous voyez, c'est... il y a Jean-Pierre Dupuis, un philosophe qui a fait un bouquin qui s'appelait « Pour un catastrophisme éclairé », et c'est ce qu'il faut. Il faut être catastrophiste, mais être éclairé. Donc, c'est un peu le sens de ce petit avertissement. Alors, première chose, c'est le problème de l'impossible épuisement des énergies fossiles, l'improbable épuisement. On est presque 50 ans après le rapport au Club de Rome, 50 ans après, eh bien, on a changé radicalement de problématique. En fait, maintenant, on ne doit plus s'inquiéter de l'épuisement des ressources, des énergies fossiles. On doit au contraire gérer l'abandon de ces ressources en énergie fossile. Donc ça, dans le Club de Rome, vous les chopez les types maintenant, vous leur dites, vous imaginez qu'on est plein, on a du pétrole, on ne sait pas quoi en faire. Là, il sera un peu... un peu leur cravate. Quoi. Et donc, en fait, ça peut être été envisagé dans les rapports du Club de Rome. Alors, ça aboutit à un paradoxe, le paradoxe vert, c'est un économiste allemand, Sink, qui l'a exprimé, qui a dit, attention, parce que si on le fait de promouvoir les énergies renouvelables, ça peut accélérer l'utilisation des énergies fossiles. Alors, je vous explique comment. En fait, bon, l'idée, c'est que le principe, c'est qu'on a calculé, ce qu'ont fait les modélisateurs, et on a calculé le budget carbone maximum qui nous reste pour
pour atteindre un réchauffement de la planète à 2 degrés. Donc on calcule toutes les émissions de carbone qui seront émises et on déduit l'utilisation qu'on va faire des énergies fossiles. On fait ce calcul-là, on fait ça pour 2 degrés et 1 degré et demi. Je vais sauter juste, je vous montre juste une autre diapo. C'est en fait, ici vous avez le budget carbone, à gauche c'est le budget carbone, donc c'est les énergies fossiles qu'il va falloir extraire dans le cas d'une augmentation de la température de 2 degrés. Alors si on passe à une augmentation 1 degré, ce budget carbone baisse, c'est-à-dire qu'on aura besoin de moins d'énergie fossile. Donc c'est ce dont on aura besoin pour atteindre ce dont on aura besoin en termes d'énergie fossile pour mener la transition énergétique. Et ça, c'est à gauche, ce dont on aura besoin. À droite, c'est ce dont on dispose. Donc, on dispose... Alors, le charbon monstrueux. Hein, le charbon, on a 3 siècles de réserve. C'est les réserves qui restent. Donc, vous voyez que les réserves restantes sont bien supérieures à ce dont on aura besoin pour mener la transition énergétique. Alors ça, c'est évidemment... On est dans un scénario un peu bisounours, où tout va bien. Donc, on respecterait les engagements de parvenir à une augmentation de la température de 2 degrés en 2050. Donc vous voyez, alors on a le charbon tout en haut, en clair, le gaz en dessous, et le pétrole. Alors le pétrole saoudien, c'est le pétrole le moins cher, et tout. Donc le pétrole le moins cher est en bas, et puis les pétroles divers et variés qu'on trouve partout dans le monde, y compris les pétroles de schiste américains. Donc voilà, donc ici, là c'est un travail qui a été fait là-dessus, où ils estiment, les réserves restantes, hein, ce qui devrait rester alors, avec ou sans CCS, on verra pourquoi qu'il y a un petit écart entre les deux, sans CCS, vous voyez qu'on devrait laisser 35% des réserves mondiales dans le sous-sol, le gaz 52%, et alors le charbon, on n'en parle même pas, 88%, donc on devrait laisser presque 90% des réserves du charbon dans le sous-sol. Alors, donc ça c'est un constat qu'on fait. Si tout va bien, ça devrait se passer comme ça. Eh bien, quelle est la réaction en fait? Donc, comment on réagit face à... Donc ça veut dire que les pays pétroliers, les pays charbonniers, les pays gaziers, ils vont perdre une rente dans le futur. Et le principe, c'est qu'en fait, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que vous êtes Vladimir Poutine. MBS. Vous êtes MBS, hein, en Arabie Saoudite. Vous avez dans votre sous-sol un actif, par exemple, pour Aramco. Aramco s'est introduite en bourse récemment, 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire, vous avez 2000 milliards de dollars sous vos pieds. On vous dit qu'en 2050, en 2100, ça ne vaudra plus rien, parce qu'on n'en prendra plus. On fermera tout. Hein. On mettra les clés sous le paillasson. Et bien, quel est le réflexe que vous allez avoir? Ça va être de surexploiter maintenant. C'est-à-dire bah, cette rente-là, il faut que j'en profite un maximum. Alors je l'accumule sous la forme d'actifs financiers. Alors éventuellement, je l'investis dans du renouvelable, subtil, ce que fait Aramco, ce que font Total Energy fait ça. Mais on va investir massivement une partie de la rente dans le renouvelable. Mais à court terme, ça veut dire qu'on va y aller à fond. On va prospecter à mort. Et donc, c'est pour ça que c'est assez, c'est assez surprenant, parce que nous, en France, on est vertueux, puisque la loi Hulot, il y a une loi Hulot sur les hydrocarbures qui a décidé d'interdire toute prospection pétrolière en France, en disant surtout pas, c'est péché. Il ne faut pas sortir du pétrole de terre, c'est péché. Bon, ça tombe bien, on n'en a pas. Mais par contre, tous les pays qui en ont, eh ben, ils y vont. Hein. Et on va chercher dans l'Arctique et compagnie. Donc ça, c'est un effet totalement pervers de la transition énergétique. Et évidemment, bah, c'est très, très problématique. Alors, évidemment, en plus, ça pose une règle d'équité, un problème d'équité en termes économiques. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que, bon, quitte à abandonner une rente, ce serait bien que ceux qui en ont profité le plus, eh bien, le cèdent à ceux qui en ont profité le moins. Autrement dit, on pourrait dire, eh bien, ce serait logique de laisser le Nigeria, l'Indonésie, le Mozambique, qui a beaucoup de réserves de gaz, exploiter leurs ressources, et puis, je sais pas, le Qatar, ou l'Arabie Saoudite, ou la Russie, de l'abandonner. Et c'est pour une règle d'équité, on pourrait dire, au niveau mondial. Et évidemment, ça n'en prend pas du tout la tournure. Hein. Ça n'en prend pas du tout la tournure. Vous voyez, comme
Vous allez au Texas, dans le Dakota du Nord, les gens vont chercher du pétrole à des prix déjà assez élevés. Et bon, bah, vous imaginez que ça, c'est. Les Texans, de toute façon, ils ont voté Trump, et justement parti pour cette raison-là. Eh bien, ils ne sont pas du tout dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un truc qui est un peu inquiétant, et qui s'appelle donc, le paradoxe vert, et qui pose ce problème des énergies fossiles. Alors, bon, je laisse la question ouverte. Alors, après, je reviens aux énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, bon, maintenant, c'est un peu ce que je vous dis, vous devez le savoir, c'est déjà été abondamment développé. C'est qu'en fait, eh bien, elles ne sont pas si renouvelables. En fait, il faut bien spécifier. L'idée, c'est qu'on parle il y a des problèmes de flux et de stock. C'est-à-dire qu'ici, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va déployer une infrastructure qui sera neutre en carbone, qui sera du renouvelable, mais pour la déployer, il faut investir. Il faut créer des équipements, et ces équipements sont très, très intenses en matière. Alors ça, c'est un graphique classique. Alors, c'est mon co-auteur, Florian Fizel, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, il vous donne, par exemple, l'intensité en acier des différentes sources d'énergie, avec donc, du nucléaire aux centrales à gaz, gaz avec CCS, bon, ça c'est des nouvelles technologies émergentes. Et en fait, vous voyez qu'on a une courbe qui est très, 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 très croissante. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut beaucoup plus d'acier pour développer de l'éolien, développer du photovoltaïque, que pour une centrale hydraulique ou une centrale nucléaire. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues. Alors, j'ai juste quelques précisions là-dessus sur les intensités en métaux. Hein. Pour une voiture électrique, on a les intensités en différents métaux. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui le prouve. Pour une voiture conventionnelle, vous voyez, l'intensité en métal est beaucoup plus faible. Et on a aussi, évidemment, les intensités en métal des offshore wind, donc c'est l'éolien offshore ou bien l'éolien terrestre. Et à chaque fois, vous voyez, quand on compare au gaz naturel, au charbon, le nucléaire, eh bien, il y a un écart énorme. Alors, toujours le même problème, hein, c'est que évidemment, au final, le bilan de ces technologies sont positifs. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut beaucoup de métaux, dans un premier temps, pour installer l'infrastructure. Après, évidemment, une éolienne ou bien un parc photovoltaïque, il n'émettra plus rien. Mais c'est un problème de transition. C'est que si on passe ça au niveau de l'ensemble de la planète, c'est clairement difficilement tenable. Alors, je vous donne Alors ça, oui, ça je vous ai juste mis, en fait, quand même pour vous rassurer, c'est que quand on regarde, par exemple, sur la droite, c'est les émissions totales de CO2 de différents de véhicules électriques comparé à un véhicule thermique. Un véhicule thermique, c'est le graphique à droite, hein, c'est Internal Combustion Energy, hein, c'est moteur à combustion interne, et à gauche, ce sont des modèles électriques. Hein. Alors en fait, bon, il y a différentes hypothèses, et si on recouvre à des métaux plus ou moins intenses en gaz à effet de serre, et en fait, vous voyez que tout ce qui est en bas des deux barres de gauche, donc ce qui est en vert et en grisé, ce sont tout ce qui est nécessaire à la production, du véhicule. Alors il y a vous avez les batteries assemblage, les minéraux, et puis la construction du véhicule. Et ce qui est au-dessus, c'est la consommation du véhicule. Alors, vous voyez qu'une voiture à essence, eh bien, le vert, c'est les consommations d'énergie nécessaires à sa production, et ce qui est en orange, c'est la consommation du véhicule. Et évidemment, il n'y a pas photo, un véhicule électrique, il devrait, en moyenne, hein, c'est les graphiques jaunes, il devrait en moyenne émettre moins de CO2 qu'un véhicule à combustion. Alors, les points, les barrettes que vous avez au-dessus, c'est on a fait une moyenne. Ce que vous avez en jaune, c'est une moyenne. Mais les deux barrettes, là, les grandes barres, ils représentent les écarts. Et évidemment, les écarts, vous imaginez un peu à quoi ça correspond. La barrette la plus haute, c'est le cas où votre véhicule électrique fonctionne avec une électricité carbonée. Donc, ce qu'on disait, une voiture, si vous prenez une voiture électrique
qui utilise une électricité produite à partir de charbon, vous avez une voiture à vapeur. C'est une voiture à vapeur. Donc les voitures à vapeur, elles sont tout en haut. Et au contraire, bon, on ne va pas faire l'éloge du modèle nucléaire français, mais tout en bas, ça, je n'ai pas tiré des détails, mais tout en bas, l'estimation la plus basse, c'est, on dit, c'est ce qu'on a en France, c'est-à-dire on a une électricité décarbonée. Avec une électricité décarbonée, ou très fortement décarbonée comme en France, on a des véhicules qui, donc, dans leur utilisation commune, courante, consomment très peu d'énergie, consomment très peu d'émettront très peu de carbone. Voilà. Alors donc, en résultat des courses, là c'est un tableau qui est sorti par Patrice Chrisman, qui est un ancien du BRGM, qui est maintenant à son compte, et qui est une vraie bible sur toutes ces matières, sur tous les métaux, il connaissait parfaitement, et il a sorti ça donc à l'issue de travaux de recherche, et il donne des prévisions de toutes les matières. Alors, on a l'aluminium, le ciment, hein, la potasse, le phosphate, et de tous les métaux à l'horizon, donc 2050. Donc ça, c'est toujours dans l'hypothèse où on a une transition énergétique qui se réalise normalement. Donc, qui se réalise donc en fonction des objectifs du GIEC, hein, et donc d'un réchauffement à 2 degrés ou 1 degré et demi. Alors, pour aller plus... Alors les métaux rares aussi, ça c'est aussi un point important, les métaux rares aussi sont très présents dans les énergies renouvelables. Donc, ça c'est les éléments du tableau, des périodiques des éléments, et effectivement bon, on voit très bien que ces produits sophistiqués intègrent beaucoup de métaux différents, de métaux rares. Alors je ne parle pas aussi de la transition numérique, hein. Le numérique demande aussi beaucoup de métaux. Donc, les deux aspects qu'on développe, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une transition énergétique et une transition numérique, eh ben, ça bloque là-dessus. Alors, la réponse technico-économique, en fait, on a, avec un collègue Florian Fizel, c'est toujours un peu à l'occasion du LabEx Voltaire. En fait, on a un collègue de Grenoble, Olivier Vidal, qui a depuis longtemps parlé de ce problème, qui est un minéralogiste pur, et qui nous a poussé à dire il faut faire quelque chose. Et donc on a en fait fait un ouvrage collectif qui est sorti donc en 2021, et on a réuni donc il y a 14 articles, hein, donc avec une trentaine d'auteurs et co-auteurs, et en fait on a fait un peu le bilan là-dessus. À la fois on avait mis ça en trois parties, on avait mis le contexte, les défis et les solutions. C'est assez universitaire qu'on veut se présenter le problème. Mais on a fait appel à des géologues, hein, des économistes, des géographes. Alors, une juriste qui a fait un papier remarquable sur le problème du droit du sous-sol, la géopolitique, des géosciences, des gens des géosciences, un consultant aussi, un minéralogiste. Donc, on a fait ce bouquin. Et donc, on présente un peu différents points de vue sur la façon dont on va pouvoir parvenir à une transition soutenable. Enfin, c'est l'idée, à mon avis, le défi de la soutenabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment un défi de gérer cette transition sans buter sur ces contraintes qui sont des contraintes, on pourrait dire, physiques. Hein. Alors, je vous donne quelques éléments de solution qu'on a trouvés dans le bouquin. Alors, première solution, c'est qu'on va extraire. On va extraire plus et plus cher. Ça, c'est un premier point. Alors, une chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, là, je prends le ore grade, c'est la teneur. La teneur des gisements en cuivre. Et depuis le début du siècle, on a la teneur des gisements en cuivre. Au début du siècle, on était à 3%, donc il fallait une tonne de terre pour sortir 30 kg de cuivre. Maintenant, on est à 0,5%. C'est-à-dire qu'ils font la même chose, pour une tonne, on sort donc 5 kg. Donc c'est vraiment une chute problématique. Alors, le raisonnement, on raisonne quelquefois comme on le fait pour d'autres ressources non renouvelables, par exemple, comme pour le pétrole, on se dit, bah alors, ça baisse, donc il y en a de moins en moins. En fait, c'est ce que j'ai découvert, ce que m'ont fait comprendre les géologues, c'est l'inverse. Plus la teneur des gisements baisse, plus il y a de ressources. Les réserves mondiales n'ont pas arrêté d'augmenter, et elles continuent d'augmenter, parce qu'avec un taux de 0,5%, on trouve beaucoup plus de cuivre. Mais évidemment, on le trouve beaucoup plus cher,
parce qu'évidemment, il faut aller chercher, il faut aller raffiner. Donc, et ça, c'est un truc que j'avais trouvé sur les éléments rares et les très rares de la planète. Bon, tout ce qui est, par exemple, le fer, le phosphore, tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment qu'on trouve partout. Donc, on n'aura jamais de problème sur l'acier, par exemple. Par contre, le cuivre est déjà un peu plus rare. Donc, il est un peu au milieu, le cuivre, le chrome, le zinc, tout ça. Voilà. Et on a les terres rares qui sont vraiment dans des proportions extrêmement faibles. Alors, juste ici, un graphique qui avait sorti Olivier Vidal, c'est en fait, eh bien, on a un coup d'extraction croissant. Là, c'est l'énergie. Donc, en fonction, ce qu'on a en abscisse, c'est la teneur, en fait, hors grade, la teneur en minerai du gisement. Et en ordonnée, c'est le coût. En termes d'énergie, la dépense énergétique, évidemment, la dépense énergétique augmente. C'est principalement une dépense énergétique qui est nécessaire pour aller chercher des métaux avec des teneurs aussi faibles. C'est assez logique, il faut des scrubbers, là, des broyeurs, il faut broyer des cailloux, et ça coûte de l'énergie. Et en plus, c'est souvent de l'énergie quand même fossile, c'est-à-dire que les gros camions, les gros équipements, globalement, ils fonctionnent plutôt fossiles. Donc, il y aura ce premier élément qui va intervenir, donc on aura toujours besoin d'énergie fossile à ce niveau-là. Alors après, autre point qui fâche, c'est ce qu'avait trouvé, qu'avait développé Florian Fizel sur ce point-là, c'est le problème du ROI, hein, l'Energy Return on Investment. Le ROI, c'est en fait, on fait le rapport entre la dépense énergétique qui est nécessaire à extraire une source d'énergie. On prend le pétrole au début du siècle en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, on creuse, ça sort tout de suite. Donc, on a un rapport qui peut aller jusqu'à 50. Il faut un litre de pétrole, j'en sors 50. Donc, alors maintenant, on a des puits qui peuvent être à 10 ou 20. Bon, je vous donne des chiffres tout à fait hypothétiques, hein, mais bon, globalement, on est comme ça. Alors, par exemple, ce qui est le meilleur rapport, c'est l'énergie hydraulique, hein, mais hydropower, on a donc facteur de charge, c'est-à-dire qu'on a une source d'énergie qui est disponible à 80%, sur un siècle, on a un ROI de 50. Nucléaire, on est à 10, mais avec un écart type énorme, on est de 5 à 15. Donc on a tous ces éléments qui apparaissent. Et en fait, ce qu'a fait Florian, c'est que lui, il a beaucoup travaillé sur le renouvelable, et il a fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie pour regarder combien donc, le cuivre qui est intégré à une ferme solaire a de nécessité d'énergie. Donc, il a fait réaliser tous ces calculs-là, et à partir de ces calculs-là, il a un peu relativisé la performance des énergies renouvelables, parce qu'il arrive à des rapports qui vont jusqu'à 4 ou 6. Donc 4 ou 6, c'est quand même moins avantageux. Donc c'est-à-dire que pour une unité d'énergie, j'en sors 6. J'en sors 6 ou j'en sors 4. Donc c'est moins avantageux quand même, toujours pour cette histoire, pour ce fait, le fait que pour avoir mon énergie renouvelable, je suis obligé d'aller chercher du cuivre à des taux qui tombent à 0,5% et moins. Donc voilà, ça c'est ce premier point. Ça va coûter plus cher quand même. Et évidemment, ça se reflète directement dans les prix, hein, le fait que, évidemment, ce rendement énergétique. Donc ça, c'est un rendement physique. Hein. C'est un rendement physique, mais évidemment, vous voyez bien qu'économiquement, ça se transcrit tout de suite. Hein. Ça se révèle tout de suite. Alors là-dessus, alors autre élément qui est intéressant, toujours par rapport aux énergies fossiles, ces énergies fossiles, eh bien, une fois qu'on les consomme, elles sont brûlées, elles partent dans l'atmosphère et ça nous fait du CO2. Là, pour ces métaux, on a la promesse du recyclage. Le recyclage est aussi un élément tout à fait intéressant. Donc, ils ne disparaissent pas dans leur réutilisation. Alors, et en plus, recycler un métal, ça nécessite une dépense énergétique beaucoup moins que de l'extraire. Donc, pour l'acier, on donne le chiffre de 58%. L'aluminium, c'est encore mieux, plutôt, c'est 93%. Parce que vous savez bien que la production d'aluminium demande beaucoup d'électricité. Le recyclage fonctionne bien. Donc, ça, c'est aussi une grande promesse. Pour le cuivre aussi, on en parle beaucoup. Je vous montrerai après un graphique sur le cuivre. Mais, attention, là, c'est toujours dans le bouquin qu'on a des contributions là-dessus. Il faut faire attention parce que ça reste limité par la disponibilité de la ressource primaire. C'est-à-dire, et c'est une disponibilité
disponibilité qui est forte pour les métaux de base, elle est beaucoup moins forte pour les métaux plus rares. Et c'est surtout le fait de pouvoir récupérer ces métaux, ce qu'on appelle le problème de la mine urbaine. C'est-à-dire que dire qu'on va aller récupérer des métaux rares sur des téléphones ou des ordinateurs qui sont mis au rebut, c'est très coûteux. C'est quelquefois extrêmement difficile à faire. Et donc, dans ce cas-là, la viabilité économique du recyclage est beaucoup moins assurée que pour les métaux plus courants. Donc, et en plus le métal est sophistiqué, plus ça devient difficile. On pense aux alliages, notamment, qui sont difficilement récupérables. Donc, promesse du recyclage, et puis des inconnus. Alors, les inconnus, c'est qu'on a trouvé dans. Qu'on a pas mal développé, c'est l'inconnu du progrès technique. Progrès technique, en fait, par définition, on ne peut pas tout anticiper. Bon, les ingénieurs le font, hein, ils font la prospective, mais bon, il y a des choses qui ne sont pas prévues, hein, y compris les pires. Hein, il y a 10 ou 15 ans, on aurait parlé gaz de schiste, on aurait dit c'est quoi ça? Et c'est un progrès technique qui était le fait de faire des forages horizontaux qui a fait que, eh bien, on a eu cette explosion des gaz de schiste aux États-Unis. Ça, c'est absolument pas anticipé. Hein. Il y a 15-20 ans, on ne savait pas ce que c'était. Donc, malheureusement, quelquefois, le progrès technique n'est pas toujours favorable, en tout cas pour l'environnement. Donc là, on ne peut pas savoir. Hein. Donc ici, technique d'extraction. Il y a des progrès qu'on peut attendre. Donc, transformation des métaux aussi. Utilisation des métaux. Donc ça, c'est typiquement aussi ce qui s'est passé depuis les chocs pétroliers par rapport au pétrole. On a eu des progrès techniques qui n'étaient pas anticipés en 72. Alors l'écueil, évidemment, c'est qu'il y a un écueil quand même, c'est qu'il faut se méfier de déjà aller dans les détails. Ce que Florian, dans un de ses papiers, développe ça, c'est qu'il dit, attention, si on fait des cycles de vie, quelquefois on s'aperçoit que on va construire, par exemple, des voitures ultra légères. On va mettre du titane, du carbone, on va mettre de l'aluminium, on va mettre plein d'aluminium dans un véhicule. La voiture va être légère. Donc, effectivement, sa consommation sur son cycle de vie va diminuer. Mais on aurait été obligé de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour obtenir ces métaux ultra légers. Donc, les fois, ils disaient, mais à la limite, qu'il faut utiliser un vieil acier bien lourd sera peut-être plus avantageux que de faire des métaux très sophistiqués qui vont demander beaucoup d'énergie. Donc là aussi, c'est un détail qui a son importance. Alors, l'écueil, c'est ça. Hein. L'écueil du progrès technique, c'est qu'en fait, alors je ne parle pas des ordinateurs qui sont très très sales, enfin tout ce qui est informatique, ça demande beaucoup beaucoup de matériaux et d'énergie. L'espoir, c'est de prendre des low-tech. On fait intervenir Patrick Bioux, qui est un ingénieur consultant qui a beaucoup travaillé sur ce problème de technologies qui seraient plus sommaires, mais qui seraient en fait écologiquement pertinentes. Et on parle aussi de créolisation, ça c'est un terme amusant. La créolisation des techniques, c'est ce que vous voyez en Afrique. Quand vous êtes en Afrique, on voit les gens qui vous font des bricolages invraisemblables et qui marchent. On a un collègue à Orléans qui est d'origine camerounaise et qui travaille sur les panneaux photovoltaïques de nouvelle génération. Et il a fait aussi un travail sur le renouvelable en Afrique. Et il montre par exemple la façon dont les gens arrivent à bidouiller des petits fours solaires qui pourraient être extrêmement efficaces et pour des coûts tout à fait dérisoires. Donc ça, c'est aussi un espoir qu'on peut avoir. Alors après, donc, progrès technique, ça c'est vraiment c'est plutôt technique. Alors substitution, c'est économique. C'est en fait, eh bien, les mouvements des prix qui vont se réaliser ont des effets quand même redoutables. On l'a vu avec l'énergie, la réduction des consommations en énergie qu'on a observée avec la suite au choc pétrolier. Alors le problème, c'est qu'ils sont souvent limités parce que en ce qui concerne les métaux les plus courants, en fait, le cuivre, on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux pour produire de l'électricité, pour le produire à bas coût, pour le travailler, quand vous bricolez une prise chez vous, mais le cuivre, quand même, est un métal très malléable. Donc, ça va être dur de trouver un substitut au cuivre. Je m'aperçois qu'il m'a manqué un truc. Ah oui, j'ai oublié ça, tiens. Oui, voilà, j'avais oublié de passer ça sur le recyclage. Voilà. Là, c'est un travail qui a été fait par Olivier Vidal, qui montrait ça.
Il vous dit quand même que le cuivre, ça risque de ripper. On risque quand même de saturer, d'aboutir à une saturation des réserves. Mais de primaire récupère, donc c'est la ressource primaire. Par contre, le recyclage, en fait, eh bien, pourrait monter en puissance et on pourrait avoir donc, une augmentation. Alors, vous voyez, jusqu'en 2200, là, on ne sera plus là pour vérifier s'il disait des bêtises ou pas. Mmh. Mais là, vous voyez, la consommation devrait continuer à monter donc, pendant le siècle prochain, hein, pour faire court, hein, parce que c'est même les deux siècles suivants. Et en fait, le recyclage devrait pouvoir se substituer à la ressource primaire. Donc, évidemment, c'est un problème de. Il appelle ça de Vidal de proie prédateur, c'est évidemment. Il faut que j'ai une ressource primaire suffisante pour pouvoir alimenter le recyclage. Donc, il y a un équilibre à faire, qui est ce qu'on appelle les modèles de proie prédateur. Vous étudiez en écologie la façon dont une population, quand les prédateurs doivent survivre sur un territoire donné, il y a des limites en fait à leur développement, qui est la disponibilité des proies. C'est un peu le cas entre la ressource primaire et le recyclage. Voilà, donc, et d'ailleurs, j'ai trouvé d'autres choses récemment sur les batteries. Où on aura le même problème pour les batteries, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, le recyclage des batteries devrait. On va avoir une demande très forte de métaux pour faire des batteries, donc ça va poser des problèmes sur le lithium, sur ces métaux-là. Mais, à l'inverse, on aura quand même un avantage, c'est que quand le stock sera suffisant, le recyclage pourra quand même en partie pallier le. Limiter en fait la pression sur la ressource primaire pour faire des batteries. Voilà. Alors pour finir là-dessus, ce que je vous ai fait, c'est plutôt du technico-économique. Maintenant, pour l'économiste, les problèmes qui vont se poser, je présente trois questions. Hein, trois questions qui se posent pour l'économiste. Hein. Ce sont des défis. Hein. Alors, le premier défi, c'est qu'en fait, les ressources minérales, globalement, elles sont concentrées dans certains pays, et notamment des pays en voie de développement. Or, les économistes, depuis longtemps, ont étudié ce qu'on appelle la malédiction des ressources. La malédiction des ressources, c'est qu'en fait, dans les pays en voie de développement riches en ressources naturelles, et surtout en énergie et en métaux, eh bien, ces pays-là ont eu systématiquement une croissance économique plus faible que les pays qui n'en avaient pas. Ont eu des croissances plus faibles, ont eu des problèmes de corruption, des problèmes même de guerre civile. Alors, les deux exemples extrêmes, c'est la RDC, évidemment, la République démocratique congolaise, et le Botswana. La RDC, c'est un exemple un peu repoussoir de pays faillis, dont les ressources minières, on dit que c'est toujours été un scandale géologique, parce qu'il y a tout, et le pays est pillé, non seulement par les employés par les multinationales, mais aussi par les voisins. Hein, les voisins, le Rwanda, l'Ouganda à côté, ils pilotent tous les chefs de guerre qui sont là-bas, qui sont en fait là pour accaparer des ressources minières. Donc ça, c'est l'exemple repoussoir. Mais plus proche de nous, on a l'Algérie, qui est un pays où le Nigeria, ça se discute pas mal, mais l'Algérie qui a détruit son agriculture, qui a détruit son industrie, parce que la rente pétrolière a tout. À exercer une prédation complète. Hein. Donc, vous voyez, le commerce extérieur de l'Algérie, c'est on exporte du pétrole, on importe des biens, et on exporte 80, je ne sais pas la proportion, mais c'est. Ils n'exportent rien. Quoi. Donc, ça c'est un problème dramatique. Comment lutter contre cette malédiction des ressources? Alors, pour se focaliser sur les ressources minières, il y a des changements. Depuis l'affaire des diamants de sang, donc c'est le processus de Kimberley. Il y a des conseils internationaux comme International Council on Mining and Metals, des groupes à l'ONU qui travaillent sur développer la transparence dans l'utilisation des ressources minières. Là, c'est des initiatives qui restent fragiles parce qu'elles sont quand même très souvent initiatives. Des pays industrialisés, de l'opinion publique des pays industrialisés et des ONG. Ce sont des initiatives qui sont volontaires et en fait, elles sont volontaires et elles sont victimes, quelquefois, c'est un peu du nationalisme des ressources. C'est-à-dire que quelquefois, les pays du Sud peuvent être jaloux de leur souveraineté et n'aiment pas trop qu'on vienne en fait regarder un peu ce qui se fait chez eux. Donc c'est un problème qui est très délicat
C'est à double tranchant, parce que par exemple, des pays même comme la RDC sont en train d'envisager de transformer sur place le cobalt, de transformer leurs ressources. Ils voudraient. Donc ça, c'est un nationalisme des ressources positif, de dire on n'est pas uniquement là pour produire des métaux, mais aussi pour les apporter une valeur ajoutée. Mais en même temps, évidemment, c'est sortitif à l'imposition de normes, de normes qui seraient imposées par les pays industrialisés. Alors, la suite, dernier point, inconnu de taille, l'inconnu de taille massive, c'est le comportement des firmes chinoises, car les groupes chinois, en fait, qui interviennent beaucoup, notamment RDC, évidemment, leur fonctionnement est totalement opaque. L'opinion publique, ils n'en ont rien à faire. Et ils sont verticalement intégrés. C'est-à-dire que contrairement à des groupes comme Glencore ou Rio Tinto, qui sont des groupes qui sont purement miniers, eux, ils intègrent en fait la transformation des métaux. Ils intègrent même quelquefois dans des groupes plus intégrés vers l'aval. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et donc, ça, c'est une difficulté pour cette malédiction des ressources. Quel est le comportement des intervenants chinois. Donc ça, et ça, on n'a pas beaucoup de prise dessus. Un autre élément, le défi environnemental. Non, je vais bientôt arrêter, parce que je suis déjà à presque trois quarts d'heure. Donc, défi environnemental, en fait, évidemment, les industries minières sont très polluantes, très énergivores, et en fait, depuis longtemps, ils ont abandonné les pays riches, à part un peu les États-Unis, un peu l'Australie, et un peu le Canada. Et donc, elles se sont développées plutôt dans les pays en voie de développement. Et évidemment, il y a une réflexion sur le développement des mines propres. Les mines propres, c'est des mines avec des contraintes environnementales fortes, des règles environnementales très fortes. Alors, il y a un mouvement qui évoque qu'on relocalise ces industries dans les pays industrialisés. Rappelez-vous notre ex-ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, quand il était ministre, il avait voulu refaire la réouverture des mines en France pour reconquérir notre souveraineté. Le gros problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est le lithium. Le lithium qui est à la base de toutes les voitures électriques, de toutes les batteries qui sont mises dans les voitures électriques. Et le problème, c'est que le lithium, il est extrait en Bolivie, donc dans les salars, il y a deux, trois zones où il est extrait. Il est transformé en Chine et incorporé à des batteries chinoises. Donc là, c'est Elon Musk, notamment, qui, avec ses gigafactories, qui est visionnaire. Et lui, il investit en Nouvelle-Calédonie dans le nickel, et il investit donc dans l'exploitation de lithium dans Nevada. Et évidemment, le problème, c'est que le NIMBY veille, not in my backyard, pas dans mon monde. Et le NIMBY, ce syndrome-là, il est généralisé chez nous. Quoi que vous fassiez, en France, c'est impossible d'ouvrir une mine. Il y a des collègues du Berger qui ont monté une start-up à une époque pour développer des mines d'antimoine, notamment en Bretagne. Ils ont renoncé. Après quelques années, ils ont eu des menaces, ils ont eu des tas de problèmes. Ce qui fait que c'est intenable. Dès que quelqu'un va chercher à exploiter, à chercher quelque chose dans le terrain, ça ne va pas louper, les gens vont sortir et ça va... Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, on ne peut plus le faire chez nous. Donc, exemple récent, alors c'est dans Nevada, il y a un papier dans Le Monde, vous pouvez regarder sur les archives du Monde, un papier en deux épisodes sur ce qui se passe dans Nevada. C'est que donc il y a un gros projet dans le désert du Nevada. Ce projet-là, c'est une région totalement. Il n'y a personne à 50 km à la ronde. Et même dans ce cadre-là, il y a des oppositions. Alors, j'ai vu la photo, c'était dans l'article du Monde. C'était un opposant qui avait mis une tente, parce qu'il fait une chaleur de dingue, et puis après, il fait des blizzards quand il se met en plein hiver. C'est une région extrêmement inhospitalière. Sauf qu'il y a une plante qui est très rare et que les gens veulent préserver. Donc, pour vous dire un peu, quelquefois, ça dépasse entendement. Et puis, donc, la même chose, il y a des communautés indiennes qui revendiquent la possession des terres, ou la possession de l'esprit des terres. Et donc,
Nevada, mais ils vont sans, peut-être y arriver. L'autre cas, c'est ce qui s'est passé en Serbie, sur le lithium. Parce que, pareil, donc, dans le cas du Abex Voltaire, on avait eu un projet, un postdoc, qui a travaillé sur les ressources européennes en termes de lithium roche dure, c'est-à-dire extraire le lithium en Europe. Donc, ils ont évalué toutes ces ressources, qu'elles soient assez importantes. Mais pour l'instant, il y a un projet qui est lancé en Serbie. Donc la Serbie, comme vous savez, ça appartient pas à l'Europe. Donc les groupes miniers, de manière un peu cynique, se sont dit, de toute façon, il y a des ressources en Serbie, et en plus en Serbie, on sera moins emmerdé qu'en Europe, parce qu'on n'aura pas des écolos. Quoi. La Serbie, c'est un pays qui a des petits problèmes quand même de gouvernance, hein, pour rester dans le politiquement correct. Donc ils se sont dit, en Serbie, ça marche, et en Serbie, ça bloque aussi. Hein. J'ai une photo prise dans le monde, ils ont exproprié les maisons. Ils ont arrosé les propriétaires, ont reçu des chèques qui valaient leur maison, on leur a donné 5 fois le prix de leur maison. Et il y a des gens qui résistent et ils commencent à avoir une alerte de l'opinion publique pour peu qu'il n'y en ait pas d'exploitation de lithium en Serbie. Donc c'est un gros problème. Ça va rester. Il y a un travail à faire parce que là aussi, c'est toujours les pays des gens heureux, c'est-à-dire les pays nordiques. Qui sont à la pointe, les Finlandais sont arrivés à rouvrir des mines. Ils sont arrivés à ouvrir des mines propres. Alors, j'ai vu ça sur la revue du BRGM. Ils montraient ce qui se passait en Finlande. Mais ils ont fait un gros travail sur l'opinion publique et puis un travail aussi sur les techniques, avoir les techniques les moins polluantes et puis les plus, les plus respectueuses possibles de l'environnement. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. Et donc, dernier point, c'est le problème des mines artisanales dans les pays en voie de développement. Donc, c'est le problème qui se pose, c'est qu'en fait, dans les pays en voie de développement, il y a beaucoup de mines artisanales. Donc, évidemment, on a l'image des mines artisanales qui sont en Guyane française. Donc, on voit un peu à quoi ça correspond. Dans le cadre du LABEX, on a fait faire un postdoc là-dessus par Victoire Girard. Et elle était au Burkina. Hein, elle étudiait le boom orifère, la ruée vers l'or, entre guillemets, au Burkina Faso. Là, contre toute attente, ça avait des effets macroéconomiques vraiment intéressants. Et il y avait des tas de raisons qui expliquaient pourquoi ça marchait mieux au Burkina qu'en République du Congo, sauf les événements récents. C'était un pays qui était relativement pacifié. Mais surtout, là-bas, le principe, c'est que finalement, les chercheurs d'or, enfin les prospecteurs d'or, étaient aussi des paysans. Et en saison sèche, ils cherchaient de l'or, et en saison de pluie, bon, ils cultivaient. Et ça leur fait un apport de revenus tout à fait conséquent, qui fait que la pauvreté s'est un peu réduite grâce aux mines artisanales. Et donc ça, c'est un problème, évidemment, très délicat, parce qu'évidemment, en même temps, les mines artisanales sont désastreuses en termes d'environnement, parce que les gens ne respectent aucune règle, et donc on met du mercure dans le fleuve en Guyane. Et évidemment, c'est un défi aussi parce qu'il faut les faire sortir de la formalité. Hein, ce serait le but du jeu. Mais évidemment, les économistes ont utilisé souvent les notions complémentaires aux substituts. Elles sont complémentaires et substituts. C'est-à-dire que souvent, elles se développent à côté des mines industrielles. Mais quelquefois aussi, elles se mettent dans des zones où il n'y a pas de mines industrielles du tout. Donc voilà, ça c'est un gros point de débat. Voilà, bon, je vais peut-être arrêter maintenant parce que j'avais prévu. Donc juste des points. Voilà le point inquiétant, c'est l'empreinte matérielle de la croissance. Donc contrairement à tout ce qu'on peut raconter, en fait, vous voyez, la courbe bleue, c'est le GHG, c'est le greenhouse gas, c'est les gaz à effet de serre. On voit que les gaz à effet de serre, en fait, la croissance des gaz à effet de serre est moindre que celle du PIB. Celle du PIB par tête, c'est les deux courbes. Hein, la courbe, donc le total GDP, c'est le PIB. GDP, c'est le PIB. Donc c'est la courbe jaune. Et en fait, on voit que l'empreinte matérielle, eh bien, est suivante le PIB par tête. Donc en fait, on a une société qui exerce toujours une pression très forte sur sa source matérielle. Alors le but du jeu, il faudrait qu'on arrive à infléchir la courbe bleue, parce que c'est là le plus urgent, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et par contre, notre empreinte matérielle,
elle continue toujours à augmenter. Voilà. Donc, je vais conclure, parce que... Voilà. Donc, je dis que la soutenabilité de la croissance, ce n'est pas pour demain. Alors, oui, le dernier point, c'est... Je vous demande juste l'effet rebond, mais c'est juste pour vous ouvrir à autre chose. C'est qu'en fait, donc la solution, on pourrait dire, bon, alors, il faudrait quand même, bon, c'est bien compliqué de maintenir notre niveau de vie avec notre demande d'énergie actuelle. Il faudrait réduire notre demande d'énergie, donc, par des tas de procédés, type isolation thermique. Donc, réduire la demande d'énergie, ça fait partie, par exemple, le GIEC, quand il vous donne ses prévisions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il présente un volet réduction de la demande d'énergie. Donc, on va développer des techniques qui sont très économes en énergie. Donc, super. Mais en fait, il faut se méfier. Il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, c'est Jevons, un économiste anglais qui l'a trouvé le premier. À la fin du 19e siècle, il a vu sur le charbon. Il dit, Jevons, il dit, voilà, c'est étonnant parce que il s'aperçoit que les technologies des machines à vapeur ont beaucoup évolué. Ils disent maintenant, pour faire tourner une machine à vapeur, j'ai besoin de beaucoup moins de charbon que par le passé. Donc super, là, j'ai une productivité qui augmente. Par contre, la demande, donc, pour une unité d'énergie, j'ai beaucoup moins de charbon. Sauf que la demande des charbons, elle a explosé. Cherchez l'erreur. Évidemment, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que le fait d'avoir des technologies qui utilisaient beaucoup moins de charbon pour produire de l'énergie, eh bien, elles se sont généralisées, l'utilisation de charbon s'est généralisée, et évidemment, l'effet de volume était supérieur à l'effet prix, comme économiste. Mais, alors juste un point, puis pour vous faire donner un peu à réfléchir, c'est que ça, ce que vous avez sur ce graphique, c'est en bleu, c'est l'intensité en énergie du PIB américain. C'est-à-dire, ça vous donne, avec un dollar, combien un dollar me coûte en énergie. Donc, sur les 30 dernières années, ça a chuté un facteur qui était autour de 18, hein, c'est tombé à moins de 10. Donc, c'était divisé presque par 3, par 2,5. Donc, ça veut dire que la déficience énergétique de l'économie américaine a explosé, a été donc multipliée par 2,5. Donc. Et l'autre graphique rouge, c'est la consommation américaine totale d'énergie. Elle n'a pas arrêté d'augmenter. Donc, on consomme moins en moins de pétrole. Bah, en fait, l'effet total, c'est que ça fonctionne toujours. Et la raison, en fait, elle est très simple. Hein. Il y a les effets prix, on parle d'effet prix, effet quantité. Mais les deux vont dans le même sens, c'est qu'en fait, eh bien, si j'augmente ma productivité d'une ressource, eh bien, j'ai une rétroaction qui va se réaliser parce que j'ai des gains de productivité qui se traduisent par des gains de pouvoir d'achat. Ces gains de pouvoir d'achat engendrent une augmentation de ma demande. Autrement dit, vous voyez, nos voitures, entre les voitures d'il y a 30 ans et les voitures actuelles, elles consomment combien ? Deux fois moins en moins. Hein. Alors, les voitures qui consomment 10-12 litres, maintenant, on arrive à 4 litres. Eh bien, on a des voitures qui consomment moins, on est plus riche. On est plus riche maintenant qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Eh bien, on roule toujours plus en bagnole, on roule toujours plus en voiture. Et ça, c'est l'effet rebond. Et l'effet rebond, c'est un effet redoutable, ça joue sur le comportement. Ça s'est appliqué aussi, par exemple, avec l'efficience énergétique. Vous vivez dans une passoire thermique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chauffer une pièce, celle où vous vous trouvez. Bon, la nuit, vous mettez une grosse couverture, un bonnet sur la tête. Vous mettez des pulls dans la maison et vous restez à 18 degrés. 17 degrés. Bon. Maintenant, on s'est aperçu que quand on isole les logements, eh bien, en fait, le premier réflexe, ça va être de maintenir le thermostat, on augmente la température, hop, on met 20, 21, 22, et puis on chauffe toutes les pièces. Et à la fin, on peut arriver à une situation où on va consommer plus. Et ça, c'est l'effet rebond, c'est situé beaucoup, l'ADEME a fait pas mal de travaux là-dessus. On a eu aux États-Unis l'histoire des gens. Bon, vous avez tous les retraités américains, ils veulent aller en Floride ou dans l'Arizona. Donc, surtout l'Arizona. Bon, on fait des couchers du soleil sur le désert, c'est pieds. Et on s'est aperçu qu'en fait, et bien évidemment, c'est un effet désastreux.
on s'image de Las Vegas, on va chercher de l'eau fossile pour arroser les pelouses. Donc, on a développé des technologies d'architecture très économes en flotte. Donc, on recycle les eaux de toilettes, on fait des capteurs sur le toit qui vont récupérer la rosée, on met des plantes dans le jardin qui demandent très peu d'eau. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des tas de lotissements qui sont créés. Et ces lotissements, donc, bah, vous consommez 20 fois moins d'eau peut-être qu'une maison normale, sauf qu'on a 20 ou 30 fois plus de logements. Et donc, la consommation d'eau continue d'augmenter. Et ça, c'est l'effet rebond. Et évidemment, eh bien, cet effet rebond, il faut, ça joue, en fait, ça peut se faire uniquement en jouant sur les comportements. Même l'effet rebond, dans le bouquin, il y a un effet rebond sur le recyclage. On vous dit le covoiturage. On va dire le covoiturage ou les vêtements d'occasion. On va dire, bah, c'est super, le covoiturage. Donc, on limite les consommations d'énergie, on va être à 2 ou 3 dans la voiture. Sauf qu'avec le covoiturage, bah, y a des gens qui restaient chez eux. On va dire, oh bah tiens, je vais pouvoir me déplacer. Donc on va se déplacer plus parce qu'on fait du covoiturage. Hein, on citait les Vinted, les sites où on revend nos fringues. Dire chouette, donc ça veut dire qu'on va moins. On va diminuer nos garde-robes, mais non. En fait, les gens vendent sur Vinted pour se racheter des nouvelles fringues. Idem pour les recyclages de téléphone. Moi, chouette, mon iPhone 12, je le vends sur un truc de recyclage, et avec l'argent, je vais m'acheter un iPhone 13 ou 14 ou 15. Et donc ça joue sur les comportements. Donc voilà, c'était juste l'ouverture en guise de conclusion. Alors j'étais trop bavard. Voilà. Bon, merci. Alors je suis ouvert aux questions, évidemment. Bon, le fait d'avoir beaucoup parlé, ça réduit le temps pour les questions. Je ne sais pas, il n'y a pas de couvre-feu. Quoi. Vous n'avez pas parlé de l'hydrogène avec les énergies renouvelables. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. On nous en parle. Oui, l'hydrogène. Bah, oui, alors, à l'hydrogène, on a déjà eu un postdoc qui est maintenant parti à Colmar, qui travaille sur l'économie d'hydrogène. Le problème de l'hydrogène, c'est vrai que ce serait une solution radicale au problème de stockage de l'énergie. Ça, c'est sûr. Hein, parce que, évidemment, vous voyez, vous prenez une voiture électrique qui pèse 2 tonnes maintenant, 1 tonne et demie, parce qu'on n'a pas des batteries, donc on est obligé de déplacer les batteries. L'hydrogène permettrait de résoudre ça. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, pour obtenir de l'hydrogène, il faut parvenir à le séparer par électrolyse, donc ça demande de l'énergie. Mais justement, c'est l'idée. Et le problème, c'est qu'il faut que l'électricité initiale doit être verte. Donc l'idée, c'est que si on fait du renouvelable, effectivement, pas mal d'économistes et d'ingénieurs nous disent, mais finalement, la première étape, c'est qu'on fait du renouvelable avec des batteries, avec des métaux. Mais la deuxième étape, c'est qu'on fera du renouvelable, donc une électricité verte qui produira de l'hydrogène vert, qui permettra de produire des voitures à hydrogène. Et c'est vrai que oui, c'est une solution, mais alors pour l'instant, c'est pareil que l'horizon est très très éloigné. Quoi, parce qu'il faudra développer des grosses infrastructures, mais enfin, c'est valable pour tout, c'est valable aussi pour ce qu'on appelle les smart grids, enfin toute la reconfiguration du système électrique. Effectivement, non, c'est une question qui se pose. Mais c'est le problème de savoir est-ce que. Alors, je sais qu'ils ont fait de l'hydrogène vert, du bleu, des différentes nuances. Ouais. C'est pas des nuances de gris, mais des nuances de vert. Pour effectivement utiliser l'hydrogène. Ouais. Et typiquement, si on conserve cet exemple-là, est-ce qu'il y a des modèles qui prévoient l'effet rebond de l'utilisation de l'hydrogène? Je ne saurais pas vous dire ça, en fait. L'effet rebond. L'effet rebond, le problème, c'est que. Il y a un moyen d'éviter, moi je parle comme économiste, c'est de dire il faut taper au portefeuille. Ça, c'est un débat classique qui s'est posé dès les Gilets jaunes. On a un collègue, Christian Gaudier, qui fait un bouquin là-dessus qui s'appelait « La fin du monde avant la fin du monde »,« La fin du mois avant la fin du monde ». Donc, le réflexe de l'économiste, c'est de dire qu'il faut mettre un signal prix fort pour que les gens adaptent leur comportement. Et ça ne peut pas marcher parce que ça pose trop de problèmes, en fait, surtout en termes d'équité. Dans une société, on est société inégalitaire, on est moins inégalitaire que les Américains, mais beaucoup plus, par exemple, que les Suédois. Et les Suédois, comme par là, sont plus écolos que nous. Et frapper au portefeuille, c'est un moyen de lutter contre l'effet rebond, par des taxations, mais évidemment, ça pose ces problèmes-là.
Alors, un autre point qui a été développé par un prix Nobel d'économie, mais qui a fait ça dans la finance, c'est ce qu'on appelle les nudges. Les nudges, c'est un coup de coude. Les coups de coude, c'est les nudges, c'est des petites altérations. Le fait de dire qu'on va jouer sur des petits stimuli sur votre comportement, ces petits stimuli vont vous faire changer de comportement. Bon, il y a un truc classique, hein, c'est bon. Moi, je l'ai vécu en plus. J'étais un coloc en Hollande en 2010, je me rappelle. Je vais aux toilettes et dans les pissotières. C'est un truc classique. Moi, je l'ai mis dans mon cours. Quoi. J'ai une photo des pissotières. En fait, ils ont mis dans la pissotière un petit dessin qui ressemble à une mouche. Oui. Eh bien, systématiquement, vous essayez de faire partir la mouche avec votre jet d'urine, n'est-ce pas ? Vous vous concentrez. Mais ça, bien sûr, ça, c'est un nudge. C'est un petit truc. Quoi. Vous êtes en train de pisser. Eh bien, en fait, ça diminue les projections à côté des pissotières d'un facteur considérable, enfin de moitié. Donc ça diminue. Donc on appelle ça les nudges. Alors les nudges aussi, c'est la façon dont on va vous mettre le rayon bio à l'entrée du supermarché. On va vous mettre des incitations, on va vous dire ne gaspillez pas, etc. Mais ça, c'est. Alors c'était beaucoup discuté entre économistes parce que certains disent c'est super, c'est bien de mettre des petits signaux comme ça pour changer le comportement. Puis d'autres qui disent, vous savez, ça va jouer très marginalement. Hein, c'est pas ça qui va beaucoup changer les effets rebonds. Oui. On parle beaucoup d'énergie renouvelable. On parle très peu des possibilités de développement d'électricité et d'énergie à partir de l'hydraulique. Or, ça a été très, très, très exploité au 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, alors qu'il y a des ressources considérables au niveau des stocks d'eau et des variations d'eau, et que a priori, je ne suis pas spécialiste, mais on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'on pourrait mettre quand même des turbines ici ou là et produire à moindre coût. Mais peut-être que je me trompe. Je ne suis pas sûr. Enfin, je peux montrer à une collègue qui a fait un bouquin là-dessus, qui a fait un article qui fait 80 pages, qui s'appelle le scénario Zen. Zéro émission. Et elle évalue tout ça. Et en France, enfin, sur les gros projets, on est au taquet. Parce que là, on a le NIMBY fonctionne. Maintenant, alors là, on ne pourrait plus faire hein, les grandes retenues d'eau qu'il y a dans les Alpes ou en Auvergne, on ne pourrait plus le faire maintenant. Parce qu'il y aurait tout de suite. Bon, il y a des problèmes environnementaux. Quoi. Ça fait tuer des. Ça va. Il y a des piafs ou des espèces rares qui vont disparaître. Donc malheureusement, peut-être des micros, vous pouvez imaginer se faire des micro-centrales, mais oui, c'est mais limité. On n'est pas obligé de parler de macro-projets, on peut parler aussi de micro-projets, notamment à partir du débit de certains cours d'eau qui ne sont pas forcément alpins, auvergnats ou pyrénéens. Ouais. Moi j'ai posé la question à un moment donné, il y a déjà quelques années, j'ai jamais eu une réponse. Ouais. Bah, surtout pas d'EDF, parce que l'EDF pendant longtemps c'était une niette. Hein. Oui. Il y a un projet en cours. Hein. Il y a un projet en cours sur la vallée de l'Arve, où autrefois il y avait au moins 10 ou 15 petites centrales, la Benjamonie, qui ont été, que l'EF a toutes fait fermer. Et maintenant, ils vont implanter 3 ou 4, parce qu'il y a une quantité d'énergie non négligeable. Il y avait monsieur Desbord qui parlait. Il y avait sur l'eau, effectivement. Pour les anciens, vous vous rappelez qu'il y avait des usines. Elles avaient toutes des centrales au fil de l'eau, sans pollution. Bon. Tout ça a été balayé par la nationalisation de 48. L'État de France a obtenu le monopole total de la production et de la distribution d'électricité. Il est simplement impossible de faire une centrale, vous êtes au bord de la guerre, moi j'habite au bord de la guerre, je n'ai pas le droit de le faire, parce que c'est EDF qui a le monopole. La seule chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez un moulin, vous pouvez utiliser une petite centrale pour votre propre consommation. Vous n'avez pas le droit de prendre l'électricité. Ça, c'est toujours. Et toutes les mini-centrales par la DF.
en France, on a été fermé à cause de ça, à cause du monde à poids de l'air. Donc je sais qu'il y a une réflexion comme qui est importante aussi sur le rôle des smart grids, enfin ce qu'on appelle smart grid, mais bon, pour l'instant, c'est des études papier ou des études qui n'ont pas d'application directe. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des systèmes maintenant, les gens configurent un système énergétique où on pourrait nous-mêmes émettre de l'électricité à un moment, stocker de l'électricité, le remettre dans le système. Alors ça, c'est dans le tuyau, mais c'est dans de tels investissements dans l'infrastructure que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il y a une grande culture à avoir chez EDF. Une question complémentaire. On parle beaucoup du photovoltaïque, des incitations que qu'on devrait développer, qu'on devrait... Et moi, j'ai le cas dans ma famille d'un projet agricole de silo qui était pratiquement bouclé. Au dernier moment, EDF vient de s'y opposer en disant non, pas question. Donc on retarde le projet de 2 ans. Donc on veut produire de l'électricité à partir du photovoltaïque. On a un projet local, hein, c'est bien cher. Hein. Je ne vais pas donner les identités ni la localisation. Mais blocage, non, niette. On a atteint le maximum de producteurs, de projets. Donc là, on arrête tout. On se pose un peu des questions, vu de l'extérieur, sur la réalité des ambitions politiques et des ambitions économiques de nos décideurs. Quoi. Je demande un autre exemple aussi. Là, je vais en parler de... Moi, je voulais savoir, mais ça rejoint un peu la question, c'est l'hydrolien dans les fleuves. Parce que je me rappelle qu'à Orléans, il y avait un projet d'installer une hydrolienne depuis très longtemps, qui a été abandonnée, je ne sais pas pour quelle raison. Et j'ai vu un monsieur de l'EDF vantant les mérites de l'hydrolien à la fête de Loire il y a quelques années. Et je suis allé le voir, je lui dis, mais ce n'est pas une technologie extraordinaire, quoi, l'hydrolien. Et en plus, l'eau, bah, il est tout le temps, quoi, elle coule, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, oui, mais ça fait bien le nucléaire. Après, oui, mais c'est vrai que... Et du coup, je sais que dans la Tamise, à Londres, il y a depuis des dizaines et des dizaines d'années des hydroliennes dans la Tamise. Ça a l'air de fonctionner, surtout que la technologie n'est pas très complexe. Par contre, vu le nombre de fleuves, est-ce qu'on aurait quoi comme potentiel d'énergie? Je ne sais pas du tout. Je me demande si ça vaut la peine. Il y a un changement de culture à avoir, mais il y a aussi des jeux d'acteurs. Hein. Il y a le cas Orléans. Au Bergème, parce que c'est un géothermicien, vraiment un type hors pair qui connaissait très bien les points de géothermie. Il m'expliquait que le nouvel hôpital d'Orléans, donc, qui est plus nouveau, mais l'hôpital d'Orléans, en fait, il y avait une occasion manquée pour le BRGM, une occasion manquée de faire une opération de géothermie. Il m'a dit, c'était trop bien comme truc, parce que un bloc opératoire, il faut que c'est tout le temps à 17 degrés, 18 degrés. Et là, je te dis, je te fais un forage et tout, et je te fais on peut très facilement, on peut chauffer et puis maintenir tous les blocs opératoires, les infrastructures de l'hôpital d'Orléans avec la géothermie. Et à l'époque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une centrale à biomasse qui est au quartier de la Source. Et là, le maire d'Orléans, tous les acteurs locaux, dit « Non, vous savez, ici dans le coin, vous avez déjà une électricité verte, vous l'avez déjà. Vous avez déjà le chauffage vert, il est assuré par la centrale à biomasse qui se trouve à la Source. Donc, basta, allez jouer ailleurs. On ne vous fait pas, parce que pour eux, ça aurait été un flagship, ça aurait été une référence d'avoir... plus grand hôpital de France, chauffeur. C'est un truc manqué. On a quand même un historique en géothermie. La première installation qui a été faite, qui fonctionne toujours, c'est la maison de la radio. Ouais. La maison de la radio à Paris fonctionne en géothermie. Et l'agglomération de Melun en Seine-et-Marne, fonctionne en géothermie. Oui, il y a des grosses... les systèmes... Les systèmes ont été formatés, c'est de chauffer les choses qui sont complètement dans le développement de l'immobilier, entre autres. Alors, sur l'immobilier, on parle de subventions pour du photovoltaïque, pour des trucs comme ça, on oublie complètement le solaire thermique. Je voyage beaucoup dans le monde entier, il y a partout du solaire thermique, sauf en France. En France, il n'y en a pas. J'ai des collègues roumains, je sais qu'à Cluj, je voyais pas mal de solaire
Les chauffe-eau solaire, j'en ai plein. Bien sûr. Ouais, un peu plus général, on entend, on nous dit qu'il va falloir, il va y avoir une demande d'énergie énorme là, dans les dizaines d'années à venir. Et quand on vous écoute là, ça semble difficile de trouver cette énergie. Alors, comment on va faire? Soit nos efforts de chacun, ou ça va nous l'être imposé? Ou ça, on tombe, enfin, c'est quand même inquiétant. Enfin. Bah, on va la trouver, on l'a déjà, on est ce qu'il faut. L'énergie fossile, c'est pas... Ah oui, mais faut pas l'utiliser, là, parce que l'énergie fossile... Ouais. Ça, je vais vous montrer des trucs. Mais c'est, en plus, on a un problème fondamental, c'est que, bon, vous regardez... donc l'Europe a un rôle, et la France aussi, on a un rôle d'exemplarité à assurer, mais c'est vrai que quelquefois, ce qui est un peu... déprimant, c'est que l'Europe est à moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La France, on est à 1%. Donc, quelquefois, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup? Évidemment, il ne faut pas dire ça, parce qu'on joue un rôle d'exemple, d'exemplaire. Mais évidemment, vous voyez que la Chine est passée à 25%. Les États-Unis sont tombés sur 12-13% des émissions mondiales. Mais bon, il faut vachement plus que l'Europe. Hein. Et donc, on s'est dit, on a ce réflexe-là. Et c'est le problème classique de passager clandestin, c'est-à-dire que effectivement, il y a un risque toujours que finalement, si l'Europe fait des efforts, les Américains vont dire oh, bon, ils font des efforts, on ne va rien faire. Enfin, c'est bon, il faut faire confiance quand même, je pense, aux opinions publiques. Hein, c'est quand même... Là, vous parlez de la consommation par pays de carbone, et c'est très trompeur. Il faut penser à l'empreinte carbone en entier. Quand on pense à l'empreinte carbone, la France, c'est pas moins de 1% des émissions de carbone, c'est 4 à 5%. Parce que nos vêtements, ils sont fabriqués de l'autre côté de la planète et qui reviennent grâce à du pétrole. Ils sont fabriqués grâce à du pétrole, ils reviennent grâce à du pétrole. Ce n'est pas spécialement nos efforts qui ont fait qu'on a baissé. Vous voyez bien que la consommation énergétique n'arrête pas d'augmenter. C'est parce que notre industrie est partie. Non seulement on a perdu des emplois, mais on continue toujours à émettre autant de carbone. Oui, mais je peux montrer ce que j'ai le graphique, oui. Mais en France, on a l'écart. Hein. Ce qu'on a calculé, les émissions sur le territoire et les émissions importées. Et on calcule ça. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse une taxe au carbone, une taxe à la frontière. Ça, ça aura un problème. Mais en France, l'écart est de 40%. C'est effectivement, nos émissions, on est à 9 tonnes par personne. On passe à la consommation, on est à 13. On a 40% en plus. Et en gros, si on ne doit pas avoir de problème, il faudrait que chaque humain n'émette que 2 tonnes. Vous voyez. Donc, monsieur, vous avez raison, on va avoir de gros problèmes. Vous êtes, mais tant mieux, hein, parce que moi je ne suis pas, vous comprenez, mais vous êtes très très optimiste. Moi je suis beaucoup plus pessimiste, et par rapport à ce que vous avez dit avec le pasteur Malthus, effectivement il a tort, pour l'instant. Moi je me posais la question. Vous avez montré le coût en énergie d'une voiture pétrole ou d'une voiture électrique, comme le coût aussi des moyens de production, mais vous n'avez pas intégré un coût peut-être estimatif de ce qu'il y avait la construction, il y a l'utilisation, et après il y a le démantèlement, le démontage, parce que ça varie, d'une technique à l'autre, quoi. Aussi bien pour les moyens de production que pour les utilisations. C'est vrai que c'est une question. On sait, pas encore, une voiture, c'est une centrale nucléaire, donc ça va, mais... Ah oui, c'est plus simple. Démontement des batteries, mais... Effectivement, alors, moi, je me suis fié à cet article de l'Agence internationale de l'énergie, mais effectivement, est-ce qu'ils tiennent compte du démantèlement des batteries? Ouais, en même temps, si on intègre le recyclage, ça peut aussi permettre de... Oui. Mais l'idée, c'est jusqu'à ce que les matériaux d'un système soient prêts à être réutilisés, c'est-à-dire redeviennent une matière première, comme un recyclage. L'acier, on sait comment ça se passe, les batteries, on a de plus en plus d'idées. Je vais dire, l'acier des éoliennes, on sait aussi, le centrale nucléaire, ça pollue pas, ça fait peut-être moins de CO2, mais ça pollue autre chose, hein, et sur combien de temps, et les stockages. Enfin, pour moi, c'est de la naissance et des matériaux, l'énergie grise, ce qu'on appelle, hein, entre la naissance hors utilisation,
c'est aussi le démontage. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça change toute la donne, à mon avis. Ouais, pas sûr. Mais, peut-être pas pour les voitures, mais ouais. Pour d'autres systèmes de production, je pense que ça peut changer. Ça, c'est, il faut savoir quelles hypothèses sont faites sur le recyclage, effectivement, de ces évaluations. C'est sûr. C'est qu'il y a des choses qui sont cyclables, plus ou moins. Je pense que c'est des choses dont on n'a pas l'idée. On revient avec les centrales nucléaires. On dit on va trouver des solutions. Ça fait combien d'années qu'on dit ça, par exemple. Et on ne trouve pas vraiment. Ou on investit beaucoup. Vous parlez des phéromones, vous en avez parlé pas mal. Pour diminuer un peu après l'histoire du gilet jaune, le prix de l'essence, on a fait de l'essence avec de l'éthanol. On a même des transformateurs qui permettent d'utiliser 100% d'éthanol dans la voiture. Et là, ça pose un problème parce que l'éthanol vient d'où ? Des betteraves. Si on consomme les betteraves pour faire de l'éthanol, que l'on subventionne parce que le coût de la transformation coûte cher, dans un cercle vicieux où on va être un jour en panne dessus. J'ai des collègues qui s'amusent à faire des modèles là-dessus, parce que par exemple, c'est le même problème pour la biomasse, c'est-à-dire que de fait, même si on calcule tous les calculs, il faudra reforester. Bon, c'est un certain temps, on arrive à reforester tous les États-Unis pour parvenir à absorber les excédents de CO2. Donc on a forcément cette limite physique de toute façon qui est liée à la capacité des plantes à absorber le CO2 est très, très importante. Et il y a un projet sur lequel on avait travaillé, c'était sur le bio-CCS. C'est-à-dire que l'idée qu'on produit de la biomasse, enfin, on produit l'énergie à partir de biomasse, mais on récupère le carbone. Alors, c'est étudié au BRGM sur la centrale à biomasse, mais ça peut être étudié aussi sur les productions de biocarburants. Donc, en fait, les plantes, dans leur croissance, elles absorbent du CO2. Mais elles sont censées être plus ou moins neutres en carbone. C'est-à-dire que quand on les extrait, on replante des arbres, on replante des betteraves qui vont assimiler du carbone. Donc les études de cycle de vie disent OK, c'est quasiment neutre en carbone. Mais si je capture le carbone dans la combustion que je mets dans le sol, j'ai des émissions négatives. Et là-dessus, j'ai une doctorante qui a travaillé là-dessus. Et il n'y a pas qu'un des membres du jury avait dit mais attention, votre truc, c'est gentil. Il y en a une qui faisait des modèles macro. Votre modèle macro, il ne tient pas compte de la disponibilité des terres. C'était un truc. Et évidemment, on ne va pas s'amuser aussi à mettre en culture la biomasse uniquement pour alimenter les machines qui ont pris de l'énergie et dont on extraira le carbone, parce que ça veut dire que ces cultures, elles pourront être des substituts à des cultures vivrières. Et donc, on a aussi des contraintes fortes sur la capacité de la planète à. Sur les méthaniseurs, on fait de gros méthaniseurs en France, même dans le département, mais pour beaucoup de matières, pour les alimenter, et on va les chercher très loin. Et il y a donc des flux de transport qui sont très exigeants en énergie. On se demande le bilan énergétique. Moi, je suis un bisounours. Moi, je suis un bisounours. Non, non, sur le méthaniseur, c'est pas bon du tout. En France, faites gaffe. En France, moi, je suis un bisounours français. Moi, je crois ce qu'on dit, c'est-à-dire que globalement, les méthaniseurs fonctionnent qu'avec des déchets. Ce qui ne se passe pas en Allemagne. En Allemagne, il y a des méthaniseurs où les gens ils font la luzerne uniquement pour foutre. C'est n'importe quoi. Mais en France, c'est ce qu'on me dit. Hein. Pareil pour l'usine de la sauce, j'ai entendu des fake news. L'usine de la biomasse, la centrale à biomasse de la sauce, il y a des gens qui disent « Ah ouais, ils vont chercher du bois en Pologne. » Alors moi, j'ai rencontré les mecs qui s'occupaient de ça. Ils disent « Non, non, ils vont chercher le bois à 50 km parce qu'il y a la Sologne. » La Sologne, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Vous faites votre terrain chez vous, déjà derrière votre baraque, vous voyez un peu le massif forestier, a priori, faites confiance, il ne faut pas chercher le bois en Pologne. Donc ça, c'était du pivot qui était raconté. Mais effectivement, il faut se méfier. Ils sont très gros, hein, c'est pas fabriqué. Il faut que ça fonctionne tout le temps, il faut tout le temps l'alimenter. Et il y a des sécheresses, et les plantes, il faut arroser les plantes pour qu'elles fournissent. Bon. Nous, il y a un gros problème aussi, ça c'est... On a vu ça sur les projets de CO2, capture de CO2, c'est le problème d'acceptabilité. Et en fait, on a bossé avec des sociologues de Pau, ils expliquaient que maintenant, avant c'était brown to green, c'est-à-dire du sale contre du propre. Donc là,
on veut faire du propre, donc, ou alors on fait une production sale, par exemple, extraire des minéraux, ou bien une usine polluante. Mais maintenant, c'est green to green, c'est-à-dire qu'il y a soit des oppositions, par exemple, contre les éoliennes, pour des raisons écologiques. Méthaniseur, même punition, hein. Il y a plusieurs cas de méthaniseur en région centre, où il y a des oppositions locales. Donc il y a plein de cas comme ça où les choses sont plus complexes qu'on pense, parce que c'est en fait des arguments écologistes contre des projets a priori écolo, a priori qui préservent l'environnement. Ouais, ouais. Je crois qu'on oublie un peu le small is beautiful. Un des problèmes du méthaniseur dans le Cher, c'est qu'on dit que ça n'est rentable qu'à partir de méthaniseur d'un certain volume, ouais. Et donc il faut faire 100 km au camion pour amener les matières. Et voilà. Alors que ouais, on fait des projets. Et même 15 de France a développé un petit compresseur pour qu'au niveau d'une ferme, ouais. S'il n'y a pas, on puisse directement injecter avec un petit méthaniseur. Ouais, ouais. On voit toujours tout en infrastructure gigantesque. Ah, c'est ça. Le problème du méthaniseur en France, en particulier dans les campagnes, parce qu'il y a une grosse campagne des écologistes pour implanter des méthaniseurs en campagne, c'est que c'est une installation qui est classée. Sauf qu'il y a un trou dans la législation où en dessous de 150 kWh de production, on peut se passer du classement. Et donc ce qui se passe, c'est que les vendeurs de métalliseurs, on va parler des groupes écologistes, vont draguer dans les fermes pour faire des métalliseurs petits. Seulement, ils sont financés, mais il n'y a pas de traitement du substrat. Il n'y a pas de séparation liquide-solide, et on rejette dans la terre tout ce qui reste après la méthanisation. Mais l'idée, c'est du monde qui l'avait lancé il y a longtemps, de faire l'équivalent du fonctionnement d'une décharge, qui produit du CO2, du CH4, par méthane, du méthane, en pilotant la production du méthane et la récupérer derrière. Mais c'est compliqué. Ah oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que le méthane se forme dans un métalliseur, on est à 42 degrés à peu près. On ne tue pas ni les bactéries ni les virus. Ils vont retourner à l'intérieur. Il faudrait monter à 65 degrés, 65 degrés. D'accord. On va tout conclure. Alors, on va avancer. Je vous remercie de votre attention. Alors. Merci.